Nous avons créé en 1984 le concept de d'achat-vente de biens d'occasion en Australie, importé en France il y a maintenant plus de 25 ans presque. Et aujourd'hui, nous vendons et achetons des biens d'occasion dans nos magasins. Donc le consommateur, va passer dans une salle dite d'achat, nous allons lui acheter son produit, lequel est remis en vente avec une garantie, à des prix bien sûr plus intéressants. Donc on est sur le marché de la seconde main, comme le sont des grands sites comme Le Bon Coin ou eBay. Cela étant, nous avons une assise physique. Aujourd'hui, nous disposons d'un réseau de pratiquement 130 magasins dans l'Hexagone, avec à peu près 10 magasins en cours d'ouverture. Et nous avons 7 magasins en Suisse et 1 magasin au Luxembourg, dans la périphérie de la master franchise de Cash Converters Europe. Les autres pays européens dépendent d'autres master franchisés. Pour 2017, nous prévoyons 22 magasins. Dans le domaine de l'achat-vente d'occasion, la différence va se faire, pensons-nous, sur la capacité du franchisé ou de l'enseigne à acheter. On doit, par définition, être un vrai commerçant. On commence à établir une relation à partir de laquelle le client viendra systématiquement nous vendre ses produits quand il aura besoin. Pour un candidat, nous lui proposons deux formats de magasins. Un format standard qui répond donc à des critères de zone commerciale et des contraintes de zone commerciale de l'ordre de 300 mètres carrés en vente, et un format city que nous avons mis en place il y a maintenant 7 ans, qui fonctionne en centre-ville comme un commerce de proximité, mais un business model qui va être avec 2-3 salariés, pas plus, dont le franchisé. Le franchisé est suivi, on va dire, du début à la fin du contrat. Dès l'instant où il nous rejoint, on va l'accompagner dans le cadre de sa formation initiale qui va durer pratiquement 10 semaines. Après, on va l'accompagner au financement, à la recherche de locaux, bien sûr. Tout ce qui concerne l'aménagement du magasin via des fournisseurs que nous aurons sélectionnés. Et après, une fois que le franchisé aura ouvert son magasin, il y aura des animateurs qui vont suivre. Et puis, on a des réunions régionales qui sont mises en place, une convention nationale. Donc, un suivi, on va dire, tout à fait intéressant et de qualité pour le franchisé. Nous avons un comité publicité qui va décider, à partir de 7 membres du réseau qui sont élus par leur pair, du budget global de l'année en ce qui concerne la communication réseau. Ce budget aujourd'hui est dépensé à hauteur de 2/3 sur des spots TV. On a une présence importante sur C8 par exemple, en entrée de film. Ça correspond à une présence soutenue puisqu'on est de l'ordre de pratiquement 10 mois présents sur 12. On met en avant vraiment la qualité de commerçant. On doit s'occuper du client, on doit dire bonjour bien évidemment, mais on doit également lui demander d'apporter certains produits s'il les a à vendre. Voilà. On a besoin de cette fibre commerciale, et ça nous la trouvons chez toutes les catégories, on va dire, aussi bien des cadres supérieurs en reconversion qu'en le côté commerçant. Mais voilà, c'est la qualité qu'on met nous en avant.